Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit haul Shein. Ça fait un petit moment quand même que j'ai pas fait de haul, je vous avais déjà fait un haul où j'ai d'ailleurs même fait une autre vidéo où j'ai crash testé le maquillage que j'avais acheté de là-bas. Et cette fois-ci, il y aura un petit peu de tout pour mon petit loup, pour ma fille, pour mon grand, pour moi-même, pour les rangements derrière. Pour le bureau, il y aura un petit peu de tout. Ce site, c'est comme le magasin Action, c'est la caverne d'Ali Baba là-dedans. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal d'articles. Et on commence tout de suite par ce petit article-là que j'ai pris pour ma fille dans son placard. C'est vous mettez dans la penderie. Voilà, vous avez l'anneau, vous mettez la penderie et puis vous accrochez ici vos sacs ou autre chose, hein. Voilà, c'est pour faire un petit gain de place plutôt qu'il y ait des sacs qui traînent de partout. Mais au moins dans le placard, elle peut ranger au moins 4 sacs. Je vous mettrai les prix comme d'habitude au fur et à mesure ici, étant donné que j'ai eu aussi une promo. Vous avez à chaque fois moins 10% des temps d'achat, moins 15% des temps d'achat, moins 20, moins 25, etc., etc. Plus les points qui vous permettent aussi de déduire encore quelques petits euros. Donc au final, franchement, cette commande m'a pas revenu à grand chose, dans les 70 euros et quelques, mais bon, au fur et à mesure, je vous mets les prix. Donc déjà, voilà pour ce premier article qui coûtait que dalle. Ensuite, mon grand, il s'est choisi des tenues, dont ce sweat, à savoir que les vêtements, ils sont toujours livrés dedans. Et que le colis entier que je vous fais ce haul aujourd'hui a été livré dans, je vous montre ça, comme ceci, avec tous les articles à l'intérieur. Donc vous allez me dire le sac qui paraît petit, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de petites choses. Donc je vous montre déjà les plus gros et après il y a plein de mini trucs. Et donc je disais que tout ce qui est vêtements est livré dans des petits sachets comme ça, comme à chaque fois. Et là pour mon grand il s'est choisi ce sweat-ci. Hop, à capuche, c'est son style. C'est pas la première fois que je vous montre quand il s'achète, enfin quand je lui prends des sweats comme ça. Toujours ce même style de sweat à capuche comme ceci, tout doux à l'intérieur. Et puis voilà, il y a là juste le S. Comme Séverine, peut-être qu'il avait envie d'avoir mon initiale, je sais pas. Ou peut-être l'initiale de sa chérie en S, Sarah. Et toujours pareil, vous avez aussi, hop, les poches comme ceci. Donc voilà, c'est un sweat de tout ce qu'il y a de plus classique. Et là, je vois que c'est pas mal aussi, c'est que l'embout des cordons, au niveau du cou, sont en ferraille, style de ferraille. Juste en plastique, à chaque fois ça se barre. Et la taille, je lui ai pris, qu'est-ce que je lui ai pris? Taille L. Voilà. Ensuite, on passe à ces fossiles, où il me semble que de base, c'était 50 centimes, mais bon, avec la promo, j'ai eu moins cher. Des fossiles, tout ce qu'il y a de classique. J'avais jamais testé ceux de Shein, donc j'ai dit bon je vais tester. Et franchement pour le prix, hein, si ça va pas c'est pas bien grave, je me suis pas ruinée. Mais franchement de ce que je vois, c'est totalement mon style, donc voilà. Je pense que je vais bien aimer. Et c'est les fossiles tout seul, hein, vous avez pas la colle ni quoi que ce soit. Toujours dans les fossiles cette fois-ci, et là par contre les fossiles ça n'ira pas du tout. Je vais les garder pour si un jour j'ai envie de faire un maquillage olé olé. Mais ça va pas aller du tout, ils sont bien trop gros. Mais c'est pour, surtout pour ce produit là que j'ai commandé, qui est c'est un liner magnétique adhésif. Vous savez, j'utilise d'habitude le liner noir Forever Lils, où vous mettez comme ça le liner et vous posez juste les fossiles et ça adhère. Mais là c'est exactement le même principe. Donc j'avais envie de tester parce que c'est beaucoup beaucoup moins cher que la marque Forever Lils. Donc si ça va très bien, Marie-Béatrice, si tu passes par là, elle a testé, elle m'a dit que c'était nickel. Donc moi je vais tester à mon tour et puis j'en parlerai. Mais sinon là les fossiles je vais ouvrir et je vais vous montrer, c'est bien trop peut-être que vous verrez mieux les fossiles là. Je les trouve bien trop gros. Ils sont jolis hein, mais bien trop très longs en fait et bien recourbés. C'est pas trop mon style, c'est mon style de fossile hein, certes oui, mais beaucoup moins long et moins courbé quand même. Donc ça je pense que voilà pour un maquillage avec un défi ou quelque chose, ou voilà pour la période là d'Halloween. Moi personnellement je fais pas de maquillage pour Halloween, mais quand même ça peut servir pour ces occasions là. Par contre j'aime bien la petite carte là, toute pailletée là qui est au fond de la boîte, j'aime beaucoup. Très joli, ça peut servir pour autre chose. Ensuite j'ai pris pour tester ce savon pour nettoyer les pinceaux. Et j'ai déjà senti parce que j'avais ouvert déjà tout de même pour contrôler. Et il n'y a pas d'odeur, et moi j'aime bien quand il y a des odeurs, pardon. Entre autres le savon que j'achète qui est pas liquide comme ceci. Moi le savon c'est vraiment le savon. Vous mettez le pinceau comme ça, vous frottez. Je vous en ai déjà parlé quand je fais des hauls avec Shop Miss A dedans. Mais ils sont parfumés, vous avez fraises, pêche, rose et tout. Et je préfère. Là il n'y a pas d'odeur. Donc peut-être que ça va très bien nettoyer, hein. Là n'est pas la question. Mais j'aurais préféré quand même avoir une jolie petite odeur. Non, il n'y a pas d'odeur du tout. Donc je doute pas de la qualité. Et encore c'est à tester tout de même.
Mais j'ai une préférence quand même quand il y a une odeur. Et là c'est de la gamme She Glam. Et c'est pour éponge, parce que j'ai dit pour pinceau, mais c'est aussi pour éponge, donc c'est les deux. Ensuite j'ai pris ces petits bidules là pour faire des maquillages. Je vais ouvrir directement le plastique, vous verrez mieux. Pour faire des maquillages, vous avez des étoiles, des lunes, des petits strass. Voilà ce style là, je sais pas si vous voyez bien. Pour coller lorsque je fais un maquillage. Donc il y a plusieurs formes d'étoiles, des cœurs, des lunes, des strass, vraiment très très joli en couleur dorée. Vous savez quand vous faites un maquillage technique, de les coller là, ça peut faire très joli. Ensuite encore un vêtement, mais cette fois-ci c'est pour moi. Et quand j'ai ouvert, j'ai été déçue de... pas du vêtement lui-même, hein, parce que je sais pourquoi je l'ai pris, vous allez comprendre quand vous allez le voir. Mais plutôt de la matière, j'ai pas du tout pensé à regarder la matière quand j'ai commandé. Et c'est pas forcément une matière que je préfère. Donc le haut, forcément, c'est ça. Des papillons. Ce haut il est trop magnifique. Vous avez des papillons de partout sur les manches. Vous en avez aussi derrière. Vraiment il est magnifique ce haut. Mais je sais pas, la matière c'est pas trop mon style de matière. Donc je suis juste déçue de ce côté là. Bien entendu ça m'empêchera pas de le mettre parce que franchement je suis fan. Voilà, le haut tout papillon aux couleurs comme j'adore. Donc je sais que je vais adorer le porter. Mais j'aurais préféré plutôt une matière voilà style t-shirt coton. Chose comme ça. Là, je saurais pas vous dire la matière que c'est, mais je sais pas, c'est bizarre. Ça fait un petit peu maillot, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et forcément, c'est un haut long. Voilà. Et quand je l'ai vu, ben voilà, j'ai pas pu passer à côté, c'était pas possible. Ensuite, à ma fille, je lui ai pris cette petite pochette trousse, voilà, comme ceci, en licorne. Tout mignon. Et une ouverture. Ce qui est bien, par contre, c'est que vous avez tous les articles qui sont emballés. Ça c'est cool. Donc voilà pour la petite pochette trousse. Hop, comme ceci. Je sais pas pourquoi elle va s'en servir, mais moi quand je l'ai vue, j'ai dit ah ouais, elle est trop belle cette trousse. Et quand je lui ai montré, elle m'a dit ah oui, je veux. Donc voilà. Et franchement, c'est mignon. Ensuite, j'ai pris ce support à rouleau de scotch tout vierge. Juste ça. Comme ça, au moins, quand là, ceux de chez Action par exemple, voilà, vous mettez juste dedans. Et puis vous avez votre scotch. Donc je l'ai pris tout vierge, sans scotch, sans rien du tout. Mais moi de base à la base, ok save. De base je l'ai pris pour les washi tape, pour quand je fais des maquillages. Mais après une fois que j'ai reçu, je me suis dit oui mais une fois que le bout il sera là, en final ça va sécher en dessous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'ai peur quand je l'applique ça colle pas. Donc à tester. Dans tous les cas ça ira à ma fille, parce qu'elle réclame tout le temps ce style de produit pour mettre des scotch. Donc c'est pas perdu quoi qu'il arrive. Et ça c'est pareil, hein, ça coûtait que dalle. Ensuite j'attrape une autre petite pochette, mais ça c'est la marque Shein lors de la commande qui l'a mis en cadeau. Une petite pochette comme ceci, avec marqué ben, Shein dessus. Par contre c'est très pratique les emballages plastiques, mais alors qu'est-ce que ça fait du bruit. Et il est tout doux. Enfin elle est toute douce la pochette. Ouais, ça sert de porte-monnaie ou pochette, je sais rien pourquoi. Mais j'ai trouvé ça super mignon. Ensuite on passe encore à des vêtements qui sont encore pour mon grand. Mais je dis qu'ils sont parce qu'il y a un haut et un bas, c'est un ensemble. Donc encore une fois toujours emballé dans le plastique que je vous ai dit. Et là il s'est pris un style de vieux rose, avec écrit NASA dessus. Donc vous avez le t-shirt à manches courtes comme ceci. Voilà, écrit NASA. Et comme motif dans le dos vous avez ceci. Et ça je crois que c'est Marion Caméléon qui avait fait un style de maquillage comme ça l'année dernière il me semble. En tout cas ça me dit quelque chose ce style de motif là. Et la matière par contre cette fois-ci elle est bizarre. C'est pas coton, c'est pas comme mon haut à moi aussi. Je sais pas. Et les matières elles sont bizarres. Mais bon ça reste joli tout de même. Donc avec ce haut il y a aussi le jogging qui va avec comme ceci. De la même couleur avec écrit NASA. Hop sur le côté. Cordon noir. Et le bout du pantalon jogging est comme ceci. Vous avez aussi une poche. Ah ben c'est une fausse poche. Donc non, vous n'avez pas de poche. Je crois que je me suis fait avoir aussi dans un jogging que j'ai montré. D'un précédent haul sur une tenue que j'avais appris pour la rentrée. À chaque fois je me fais tout le temps avoir en fait. Toujours, ah vous avez une poche. Ah ben non en fait il n'y a pas de poche. C'est des fausses poches. Mais vous avez les poches devant, hein, le truc classique. Donc vous avez le bas et puis le t-shirt. Et je lui ai pris en taille... taille L aussi. Après il n'y a plus de vêtements. Maintenant on passe à ce style de bidule. Ça c'est pour mon petit loup, il l'a voulu. C'est vous savez les poulpes réversibles là. Hop, donc vous avez le poulpe ici comme ça qui fait le smile. Et puis quand vous le retournez, hop,
Là ici, il est pas très content. Dans la logique, j'aurais préféré le smile au rose et le pas content au bleu. En termes de couleur, je trouve que c'était un petit peu plus logique. Mais bon, c'est pas grave. Là, il sera content vu qu'il me le réclamait. C'est quand je fais la vidéo, encore une fois. Maintenant, je vais pouvoir le lui donner, il sera content. Ça, ça a été la mode un bon moment. Et là, encore, malgré que la mode passe, mais il me le réclame. Ensuite, j'ai pris des petits stickers. Et là, j'étais un tout petit peu déçue parce que j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus flashy. Je trouve qu'ils sont quand même un petit peu ternes. Donc, des papillons, encore une fois, forcément. Donc, je vous sors juste une feuille, pardon. Je crois que d'ailleurs, c'est pas les mêmes motifs. Non, c'est pas du tout les mêmes. Et vous voyez, ils sont comme ceci. Et j'aurais aimé qu'ils soient en couleur plus flashy, tout simplement. Ils sont beaux, hein, là n'est pas la question, mais j'aurais aimé plus flashy. C'est tout. C'est écrit en chinois, donc je ne saurais pas vous dire le nom, mais il y a plein de feuilles. Ça, c'est pour mon prochain agenda que j'attaque au mois de janvier. Alors, je vais vous montrer celui-là de chez Action. Et je suis dégoûtée qu'ils ne le refont pas. J'aimerais bien qu'ils le refassent. Celui-ci, je vous ai montré que j'en avais acheté deux de chez Action. Donc, comme je vais l'attaquer, là, vu qu'on arrive bientôt en janvier, j'ai pris ceci pour décorer, tout simplement. Après, à ma fille, je lui ai pris ce style de bracelet avec juste son initiale L de Luna. Hop, avec un petit cœur. Je ne sais pas du tout si vous allez voir avec la lumière, mais là, vous avez le cœur et ici, la lettre L. Donc, c'est un bracelet, tout ce qu'il y a de classique en doré. Voilà, c'est du fantasy. C'est pour lui faire plaisir et puis, ma foi, voilà, elle aura sa petite lettre avec son petit cœur. Ensuite, je me suis pris ce petit pot que je vais me servir pour les stylos en rose gold, forcément. Je vous avais dit d'ailleurs que je vous ferai une vidéo sur mon nouvel écran d'ordinateur, mon nouveau bureau, il y a un petit moment de ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je galère tellement à trouver les accessoires qui vont avec. Et je vous avais dit justement que je ferai la vidéo une fois que j'aurai trouvé tous les accessoires qui vont sur le bureau. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en rose gold, franchement, je ne trouve rien du tout. Rien du tout. Et là, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un pot à stylo tout basique en rose gold, comme j'adore. Voilà. Il y avait plusieurs motifs ici, mais il n'y a vraiment que celui-ci qui me plaisait. Il y en avait aussi qui avait beaucoup plus d'ouverture. Et je me suis dit peut-être qu'en mettant les stylos, ben, ça va tomber sur le côté ou quoi. Déjà que là, ça risque de tomber, mais l'autre, c'était encore pire. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et forcément, si j'ai pris ceci, c'est que j'ai acheté encore d'autres stylos. Vous savez déjà mon amour pour les stylos chez Action. Et d'ailleurs, dans le prochain haul, il va y en avoir encore des nouveaux. Oui, encore. Mais là aussi, sur Shein, vous allez voir, j'en ai acheté pas mal. Je les trouve trop magnifiques. Mais avant d'attraper les stylos, j'attrape le pop-it que j'ai pris pour ma fille. Elle a été déçue de recevoir de cette couleur. Malheureusement, je ne pouvais pas choisir la couleur. C'était aléatoire, donc voilà. Je viens d'avoir une crise d'éternuement. Oh là là. Donc, je disais... Les couleurs sont aléatoires, elle aurait aimé je crois le mauve rose bleu, mais elle a eu celui-ci, mais bon, elle a dit c'est pas grave, de toute façon elle voulait ce style de pop-it en forme de manette, donc maintenant elle l'a. Ensuite je me suis repris des rangements pour tout ce qui est blush, bronzer, highlighter et tout, mais je crois que là j'ai pris plus gros, si je me trompe pas j'ai pris plus long, plus large, ouais je crois que c'est ça, j'ai pris un petit peu plus gros, voilà comme ceci, donc c'est livré dans le carton donc c'est protégé, voilà. Et il me semble bien que j'ai pris un petit peu plus grand et plus large. Bah non, j'ai pas l'impression, j'ai repris la même chose. Hein. Bah ouais, j'ai repris la même chose. Les bronzers en général, ils sont un petit peu plus larges et plus grands. Et il y a certains produits, même dans les blush highlighters, qui sont un peu plus larges et plus grands. Donc vu que j'ai beaucoup de basiques qui rentrent dedans, oui c'est ça en fait, je me rappelle. J'en ai pris un second et dans une prochaine commande, je prendrai du coup ce que je vous ai dit d'un autre format. En tout cas, franchement, ils sont super. Si vous cherchez ces styles de rangement, mais ça me pénible mes cheveux là. Si vous cherchez ces styles de rangement, je vous conseille ceux de Shein parce que celui-là maintenant ça fait plusieurs mois que je l'ai et c'est nickel. Après, alors attendez, je sors tout parce que. Ah, je me rappelais déjà plus, j'avais trouvé un accessoire de bureau encore en rose gold. Donc je vous le montre tout de suite avant de vous montrer tous les stylos. Donc hop, un truc classique de bureau. Vous avez du coup les pinces, hop, les punaises. Les épingles à nourrice, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, tout rose gold pour aller, encore une fois, sur mon bureau, comme je vous expliquais juste avant. Et ça, déjà, ne serait-ce que les pinces comme ceci, j'en ai énormément besoin de ça aussi. Juste les punaises, j'en ai pas forcément besoin, mais bon, c'est pas grave. Les trois quarts, finalement, de la boîte, je m'en sers. Du coup, je suis contente parce que pour le bureau, j'ai trouvé deux choses et c'est chez Shein. J'ai repéré aussi chez Shein un style de panier en rose gold, donc je le prendrai dans une prochaine commande que je vous montrerai dans un prochain haul aussi. Mais je vais y arriver à faire ce que j'ai envie. C'est la poubelle aussi que je cherche en rose gold, je trouve pas. Donc si vous avez déjà repéré un style de poubelle
pour mettre les papiers et tout, en rose gold. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous les avez repérés, je vais aller fouiner ça. Ah, et avant les stylos aussi, j'ai ce peigne là, mais ça c'est pareil, c'était aléatoire. Ça c'est pour quand je fais mes couleurs ou quand je coupe les cheveux de mes loulous. Avec la pointe ici, tout pointu pour faire les raies. Et le peigne, ça c'est comme je vous ai dit, c'est une couleur aléatoire. J'aurais aimé en noir, mais bon, je l'ai eu en rose, c'est pas grave, hein. Ça changera pas grand chose de toute façon. Tant que je peux coiffer avec, c'est très bien. Et maintenant on passe au stylo. Et quand je vous dis que j'en ai beaucoup, c'est que j'en ai beaucoup. J'en ai 3, 6, 8 stylos. Donc j'ai pris une série de 3 comme ceci. Déjà, vous allez voir qu'il y a beaucoup de rose gold. Ils sont tous en forme de diamant. Décidément c'est plastique dans plastique dans plastique. Je vais vous les sortir. Voilà. Donc vous voyez, ce sont en forme de diamant comme ça. Ils sont juste trop magnifiques. Trop trop beaux. Ici un rose gold classique, après le rose gold avec des petits points blancs et puis le noir avec des petits points rose gold. Peut-être que vous allez un petit peu mieux voir là comme ça, mais ils sont trop trop beaux. Donc voici déjà pour les 3 premiers. Après j'en ai pris 2 autres en forme d'ananas et pareil en rose gold et l'autre blanc avec des petits points rose gold comme ceci. Et pareil, je les trouve trop beaux. Ils sont trop trop beaux. Pff, moi et les stylos franchement. Et puis maintenant 3 autres. On est moins dans le rose gold là, mais j'ai trouvé beau quand même. Et puis c'était un set de 3 quoi qu'il arrive. Donc j'ai pas choisi à l'unité cette fois-ci. Mais j'ai surtout pris ce set là pour lui. Donc blanc avec petit point rose gold. Mais le bout c'est un papillon, il est trop magnifique. La prochaine fois je vais en reprendre d'autres s'il y a d'autres styles que blanc à petit pois là. Mais vraiment trop trop beau. Après vous avez le deuxième qui est ici tout pailleté vert, qui est tout aussi joli aussi. Hop. Peut-être que ça va gêner, c'est peut-être sûr même, mais bon, je m'en fous, c'était dans le lot. Et je trouve beau quand même quoi qu'il arrive. Et toujours finition rose gold. Et puis là on a un autre style de diamant, sauf que cette fois-ci c'est rose. Et ça ressemble un petit peu au style de chez Action qu'ils font aussi, avec le petit diamant en bout, comme les 3 autres. Du coup voilà, j'ai plein de nouveaux stylos. Encore, et je trouve que ça va être trop beau. Vous savez mon amour pour le rose gold, donc c'est difficile que je vous dise c'est pas beau, hein. Et donc voilà, on a terminé avec ce haul Shein. J'espère que ce haul vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire si ce site là aussi vous achetez souvent, si vous trouvez toujours vos perles. Et peut-être que moi dans ce petit haul là, il y a des choses que vous n'avez pas repérées et que je vous ai donné envie. Si c'est le cas, ben, je suis contente. C'est pour ça aussi que je fais le haul à chaque fois, c'est pour vous faire découvrir et peut-être vous donner envie, ben vous. Peut-être que vous trouvez un bon plan ou quelque chose, j'en sais rien. Là, on est fin octobre. Une chose est sûre, c'est que là, au mois de novembre, je vais refaire une commande. J'ai déjà mon panier et ma liste d'envie qui est déjà prête. Je fouine quand même de temps en temps les petites nouveautés pour bien sélectionner ce que je vais du coup valider. Mais une chose est sûre, c'est qu'un autre haul arrivera mois prochain, début décembre. Alors, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et en attendant une prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye.